cette semaine dans un si grand soleil. Pendant que le clan Bastide implose, un nouveau meurtre vient ébranler le quotidien de Joe, Sophia et Virgil. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes d'Un si grand soleil diffusé cette semaine sur France 2. Les employés de la paillote soupçonnés du meurtre de Forio se réveillent en panique aux côtés du cadavre de Fort. Alors que les interrogatoires enchaînent pour arrêter le meurtrier du numéro 2 de la préfecture, elle confie à Sophia avoir passé le week-end avec lui. Elle l'a drogué pour lui extorquer des preuves afin d'innocenter sa compagne, mais ne comprend pas qu'il a pu mourir par accident. Eve, apprenant la nouvelle, suspecte Virgil d'être passé à l'acte après les méthodes qu'il a employées pour mettre Elliot hors de nuire. Il lui jure n'y être pour rien, mais un SDF l'a vu menacer Fort quelques jours plus tôt. Il est arrêté par Manu et Alexandre. Joe apprend alors que Fort n'est pas mort à cause du somnifère qu'elle lui a administré, mais par empoisonnement. Elle décide d'enquêter, car elle pense avoir été visée par le poison, dissimulé dans une bouteille d'alcool reçue en cadeau. Sophia, repérée sur les images de vidéosurveillance près du domicile de Fort le soir de sa mort, est mise dans une mauvaise position. À la paillote, Davia apprend à Virgil qu'elle a entendu Sophia parler de l'affaire à Alice, et qu'elle aurait peut-être en sa possession des informations pour l'innocenter. Un moyen pour la jeune serveuse de détourner les soupçons? Dylan et Inès, clap de Finine et Dylan sont de nouveaux complices après la soirée. Alors qu'il s'excuse auprès de Manon de l'avoir humilié et efface la vidéo compromettante, il est arrêté par la police. Son père est gravement endetté par les dommages et intérêts à payer. Par solidarité, Inès crée une cagnotte pour les aider. Mais Dylan, aveuglé par la rancune, pense que Théo l'a dénoncé à la police. Il se rend au skatepark et pousse violemment l'adolescent par terre. Théo s'en sort légèrement blessé mais le coup aurait pu le tuer. Sous le choc, Inès dénonce Dylan à la police. Manon est rongée de remords, tous ses énervements découlent du fait qu'elle ait dénoncé Dylan pour la violation de propriété privée. Elle essaie de minimiser son acte, mais Inès décide de rompre, effrayée par le comportement violent de Dylan. La famille Bastide implose. Elisabeth tente de rassembler tous les Bastides pour le réveillon de Noël. Théo est embarrassé car il doit passer la soirée avec sa mère et ses grands-parents. Claire prend les devants et remet les points sur les i avec Elisabeth, elle ne doit pas outrepasser son avis pour ce genre de décision. De son côté, Julien tente de se reconstruire, sans Alice ni Claire. Arthur est attristé de voir son père en plein désœuvrement. Claire, quant à elle, goûte à sa nouvelle liberté, et prend le temps de se retrouver. Elisabeth déchante lorsque Manon lui annonce vouloir passer le réveillon chez les Estrella afin de se racheter une conscience auprès de Théo. Elle n'est pas au bout de ses peines lorsque Julien déclare vouloir racheter ses parts de Elle Cosmétique, et devant l'intention affichée d'Alice et Arthur de vouloir passer des fêtes de famille sans tension. Donc sans elle. The man I love just has